Des villages et des bourgs plongés dans le noir le plus total, des habitants cloîtrés chez eux. La neige épaisse et lourde, tombée en quantité dans l'après-midi, est à l'origine des multiples coupures du réseau très haute tension géré par RTE. 5 postes électriques ont cédé, Arvers, Vaux-sur-Mer, Royan, Saujon et Cozes. À 17h30 environ, 90 000 foyers étaient privés d'électricité. Le réseau a été peu à peu rétabli au cours de la soirée. À 22h, il restait encore 10 000 foyers dans le noir dans le secteur de Cozes. Une aventure inattendue dont cet hôtelier royanais se serait bien passé, même si ses clients ont été très patients. On a mangé froid, mais c'était très bon. On a improvisé, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas de friteuse, pas les clients mangeaient à la bougie. J'ai les clients dans les chambres, mais bon, on a fait pareil, ils se sont débrouillés avec leur portable. Pas de chauffage, on a rajouté des couvertures pour l'instant, ça s'est bien passé. À 7h ce matin, 1200 foyers étaient encore privés d'électricité très localement dans les secteurs de Royan, Jonzac et Sainte. D'ici ce soir, Enedis promet que tout sera rentré dans l'ordre.